Tout sera dit dans cette vidéo. T'as capté? Vous voulez savoir pourquoi on est sorti de la bataille? Ma meuf est une boxeuse. Ouais. Si t'as pas ta place ici... Moi et Julie, nous sommes venus en main. Yo les gars, j'espère que vous allez bien! Salut les potos, salut tout le monde! J'avais juste dit que j'arrêtais de dire yo les gars, ma vie. Oh mais t'arriveras pas. Ouais mais j'avais dit que c'était des bonnes résolutions pour septembre, bae. J'espère que vous, par contre, vous avez choisi de faire des bonnes résolutions, que cette année, je vous souhaite à tous des bons résultats scolaires, de l'oseille, de l'amour. Et surtout, le plus important de tous, c'est la santé. Que la santé, ça va pour vous, pour votre famille, pour vos proches. Et en tout cas, on tenait déjà à vous faire un gros remerciement à toute la team d'avoir été là, de nous avoir soutenus jusqu'au début. Et franchement, je trouve qu'on commence vraiment bien la rentrée parce que là, on va vous balancer un gros FAQ. Tu sais ce que ça veut dire, FAQ? Foire aux questions. Bravo, ma vie. T'es trop forte. En plus, là, on sort de la bataille des couples et je pense que les gens ont envie de savoir ce qui s'est passé. Tu te rappelles quand t'as mis une pêche à Julie? Mais qu'est-ce que je dis? Avant de lire les questions, t'as allé sur les questions? Oui. T'as oublié de leur dire la bonne nouvelle? On a reçu le truc, hein. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un truc. C'est quoi ton avis, ma vie? On a reçu notre premier trophée de YouTube pour nos 100 000... Mais attends, mais ma vie, attends, faut... on l'explique, non? Non, mais c'est bien. C'est bon. Merci tout le monde, je vous aime. Bah oui, mais je veux savoir à quoi il ressemble. Mais attends, mais... Bah vas-y, j'ouvre et tu expliques. Donc en fait, ce trophée, il signifie beaucoup pour nous, j'imagine, pour la chaîne. Pour nous. C'est 100 000 abonnés. Et 100 000 abonnés, c'est pas rien, c'est vous, c'est grâce à vous, tout ce qui nous arrive. Moi, je m'en fous qu'il soit beau, en vrai, le cadre. Je voulais juste vous dire merci parce que 100 000 abonnés, c'est beaucoup. J'ai un no-out. Ah, il y a du velours derrière, ça c'est pour l'accrocher. Et t'as vu, il y a un petit relief. L'ébène, c'est relief. Voilà, c'est marqué, hein, c'est les 100 000 abonnés. Franchement, merci beaucoup parce que moi, ça me touche en tout cas. Merci tout le monde. Félicitations pour ce nombre record d'abonnés. Nous sommes heureux de vous offrir ce trophée pour récompenser vos efforts. Si vous avez des questions, contactez-nous. Putain, mais c'est trop trop bien. Donc ça, c'est le premier. Après, il y a l'étape numéro 2, je crois que c'est 500 000, non? Ah, 10 millions, c'est celui-là en diamant. Ah ouais, c'est... Ah ouais, mais là... Visons déjà le million. Donc les amis, c'est pour ça, allez vous abonner à la chaîne. Tous les dimanches, vous allez nous retrouver dans d'autres vidéos, d'autres concepts, d'autres plein de choses en fait. Donc allez vous abonner. Nous sommes heureux de voir votre communauté grandir et fiers de vous récompenser pour vos 100 000 abonnés. Félicitations. Trop content. Merci l'équipe. Je sais pas pour toi, mais moi, la question récurrente, c'est pourquoi êtes-vous réellement sorti de la bataille des couples? On répond à la fin. Ouais, peut-être ouais. À la fin, on va répondre à cette question. Et pour tous les curieux qui veulent savoir pourquoi on est sorti de la bataille des couples, tout sera dit dans cette vidéo. T'as capté? Vous voulez savoir pourquoi on est sorti de la bataille? Ma meuf est une boxeuse. Ouais. Franchement, je suis pas fier de ce que j'ai fait. Stop. On verra ça après ma vie. Romain va-t-il te demander en mariage? Pourquoi tu choisis tes questions en fait? C'est comme tu me poses. Et du coup, je suis qui là? Ça se commande pas. Un an. Ça peut même être demain si tu veux. Mais après, j'en sais rien. L'amour, ça se contrôle pas. Et pourquoi vous avez besoin de vous engager là à la mairie et tout? T'abuses. Il y a des rumeurs. L'année prochaine. L'année prochaine? Sur l'année prochaine. Vous êtes témoin. Il a dit l'année prochaine. Amen, amen, amen. Question suivante. Il y a des rumeurs qui disent que je serai enceinte. Je suis pas enceinte, j'ai juste grossi. Dis la vérité, est-ce que t'es enceinte et tu veux pas me le dire? Ma mère, si j'étais enceinte, de là jusqu'à là, j'aurais fait des toupies roulades par terre. Je t'aurais dit, je suis enceinte, t'es papa. Sincèrement, tu crois vraiment que moi je suis prêt à être papa? Oui. Mais j'arrive même pas à m'occuper de moi-même. Non, mais c'est pour ça, je t'explique. Voilà, moi je m'occupe bien de toi, je peux m'occuper d'un enfant. Tellement je suis chaude. Regardez ce que j'ai fait. J'ai mis trouver une application qui permet de voir si notre enfant il sera beau. Donc regardez, je l'ai fait. Tu vas montrer la photo du bébé? Oui, qu'on est supposé avoir. Vous êtes pas prêts, les gars. Voilà notre enfant. Avouez, il y a du level. T'es classé. Papa, juste de loin comme ça. Vas-y, monte de loin vite fait la photo. Monsieur Ben, je sais que vous allez me charrier, mais vu que j'aimerais bien avoir un enfant avec votre fils, j'ai fait la simulation. Franchement, il est pas mignon. Papa, t'as un mot à dire, il est parti. Il est parti. C'est la vérité, il est beau gosse un peu. Hein? Dites en commentaire. Mais il est grave beau gosse. Mais on sent que déjà c'est un enfant robot. La vie de ma mère, il est pas normal ton enfant. Ensuite. Reparles-tu à Sarah? Oui, je reparle à Sarah Frézou. On s'est réconciliés, là tout va bien dans le meilleur des mondes. Je lui souhaite beaucoup de bonheur et elle nous souhaite aussi beaucoup de bonheur. Donc il n'y a pas d'embrouille avec elle, quoi. On lui a prouvé qu'on était un couple solide. Ça fait un an qu'on est ensemble, un an qu'on est amoureux l'un de l'autre. Quelle est votre prochaine aventure dans la télé?
Je pense qu'on ne peut pas trop en parler. Non, en vrai de vrai, on sait qu'il y a le casting de la Villa des Cœurs Brisés. Je peux pas faire les princes parce qu'on est en couple, on va pas faire les princes. Mais pourquoi tu ferais les princes? T'as trouvé la femme de ta vie en fait. Qu'on est susceptible de faire, pour l'instant, bah il y a le casting de la Villa, c'est tout ce que je sais. Maintenant, on n'a pas été appelé. Moi, je suis intéressé par Moundir. C'est un programme qui me plaît, qui me tente. Tu vois, c'est un programme de gagne, un peu comme la bataille des couples, de compétition, je veux dire. Tu vas aller faire Moundir avec les cafards et le sable et la mer et pas à manger. Mais moi, j'aime bien tout ce qui est compétition, tu vois, genre quand ça. Je suis d'accord. Bah, je préfère ça que rester dans une villa à faire des histoires, parfois là où il n'y en a pas. Je dis ça, je dis rien, mais en vrai de vrai, c'est mieux. Bah, tu te bats, t'as faim, c'est trop bien ça. Moi, je kiffe de ouf. On n'a pas la même définition du mot kiff, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça nous fait que la chaîne YouTube marche? Franchement, on kiffe. C'est un vrai kiff. Ça veut dire qu'on n'est pas à la télé et vous nous regardez. Et franchement, merci beaucoup tout le monde. On en rigolait tout à l'heure, mais de se dire qu'aujourd'hui, on a dépassé les 100 000 abonnés. De savoir qu'une personne, déjà, c'est déjà important dans la vie. D'avoir un ami, en l'espace de 6 mois, on a réussi à avoir 300 000 personnes qui nous suivent, qui aiment, qui sont derrière nous. Mais c'est du travail. La première source, c'est vous. Et voilà, c'est un travail qui plaît. Ma pire crainte, je pense, dans ce métier, jusqu'à quand on va être sur YouTube? Jusqu'à quand ça va marcher? Voilà, ça, c'est vraiment ma pire crainte. Faut pas penser au futur, faut penser au présent. Au présent, on kiffe. Bah oui, bébé. Non, mais faut toujours penser, tu vois. Oui, mais t'inquiète pas. Tant qu'on fera du bon contenu, qu'on sera ensemble et qu'on va se marier, qu'on va le filmer, qu'on va le mettre sur YouTube, t'inquiète pas. Ils vont tous nous suivre, pas vrai? Ça vous fait quoi de voir d'autres genres de télé-réalité sur YouTube en concurrence? Déjà, il n'y a pas de concu pour moi. On kiffe tous nos projets, en fait. On les vit au présent et on kiffe. Donc, il n'y a pas de concu. De voir les autres qui débarquent sur YouTube, bah, j'ai juste envie de dire, bah, allez-y, bonne chance. Le gâteau, il est gros. Et moi, je suis pas partisan de, ouais, bah non, t'as pas ta place ici. Non, le gâteau, il est gros. Il est là pour tout le monde. Et puis, tant mieux, s'il y a d'autres gens qui veulent se mettre sur YouTube dans la télé-réalité, tant mieux, venez, on fait même des feats, on fait des trucs ensemble. Je suis plus dans cet état d'esprit-là que dans n'en venez pas quoi. Alors, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a de la place pour YouTube pour tout le monde. Je suis très touchée qu'on soit à l'origine parce que t'as vu avant, personne voulait faire des chaînes YouTube, maintenant il y en a, tout le monde veut faire des chaînes YouTube. Donc moi, je me sens flattée. On suit le mood. Si je les aime bien, ça me dérange pas. Si je les aime pas, ben, ils ont pas intérêt à faire du plagiat. Mais tu veux que je te dise, tu vois, tu parles de plagiat, mais s'il y a du plagiat, ben, tant mieux. Dans tout métier, il y en a. Dans la musique, quand il y en a un qui surfe sur un son, ben, tout le monde suit. L'art en ce moment, ben, ça va être plus ça. Ben, tout le monde va jouer sur cette tendance. Nous, au début, quand on a commencé, moi, j'ai pas honte de le dire que j'ai regardé des formats. Moi, je me suis inspiré de Pierre Cross, j'ai regardé, tu vois. Mais c'est normal, c'est parce que ce sont des références. Aujourd'hui, qu'on puisse dire, ouais, ben moi, j'aimerais bien faire comme Romain Hamel, comme les Ben, mais tant mieux. Mais moi, ça me fait chier que si c'est des gens que j'aime pas. Elle met toujours trop de sentiments dans le temps. Toujours. Toujours, toujours. Question suivante. Quels sont vos prochains défis et les prochains guests? Waouh, ça c'est de la vraie question. Bah là, pour tout vous dire, on a vraiment, vraiment charbonné pour cette année. Et je pense que vous allez pas être au bout de vos surprises pour les vidéos qui vont arriver, ça va être du sale. Il va y avoir, je pense, une grosse vidéo par mois. On pensait faire une grosse vidéo par mois, mais quand je dis grosse, c'est genre fat, dinguerie, genre t'es pas prêt. Et deux autres vidéos où il y aurait ton espace à toi, un peu ton mood, et Romain dans son mood. Tu vois, genre si j'ai envie de faire du sport extrême avec Antoine Scoot de Street, j'y vais. Si j'ai envie de tourner avec un pote, je le fais. Ça, on n'est pas encore sûr, mais c'est un peu un truc comme ça que je vois peut-être dans le futur de la chaîne. Moi, ça me va. Chacun a besoin d'avoir son identité sur la chaîne. Mais quand on fait la grosse vidéo, la fat vidéo, on sera forcément ensemble. On va faire un échange de coupe partie 2, mais avec des personnes de télé-réalité. À votre avis, c'est qui? En commentaire. D'ailleurs, pensez à vous abonner, les gars, parce que là, on est beaucoup, mais on peut encore aller encore plus haut. Ah ouais, et j'ai oublié de vous dire, les gars, bon, ça, je peux le spoiler. Antoine Scoot de Street va sortir une bête de vidéo la semaine prochaine, je crois. Là, j'ai tourné avec Scoot de Street il y a quelques mois, ça s'appelle le Chaz Tag, donc Tag Masters. Je vous en dis pas plus, vous allez voir, c'est juste exceptionnel comme format. On a eu l'occasion de tourner avec Inox, avec Michou et plein d'autres youtubeurs. C'était vraiment un tournage de folie. Donc je vous invite à aller regarder la chaîne de Antoine. Ce que je peux vous dire de ouf, c'est que sur notre chaîne, il va y avoir les coulisses de sa vidéo. Et ça, je vous dis, ça va être vraiment mais à mourir de rire parce que tout ce que vous voyez dans sa vidéo, ça va être genre la vidéo parfaite, bien montée, tout ce qui se passe bien et tout. Et moi, dans ma vidéo, c'est tous les coulisses, comment on a fait pour en arriver là, tous les caméramans, je vous en parle pas, vous verrez. Et là, c'est la réponse tant attendue que tout le monde attend. Pourquoi
êtes-vous parti de la bataille des couples ? À la suite de cette cérémonie, le jour d'après, bon, Romain a été victime de moqueries. Bon, le ton est monté. Malheureusement, dans la journée, moi et Julie, nous sommes venus aux mains. Étant donné qu'il est interdit de se battre sur un tournage, nous avons été exclus toutes les deux et donc tous les quatre. Moi, je veux juste rebondir sur ce que t'as dit, ma vie, c'est qu'à un moment, t'as dit, ouais, Romain, il a été victime de... De mon expérience à moi, personnellement, moi, je sais que quand on rentre dans un programme comme ça, forcément, il va y avoir des clashs, des pics, les gens vont s'entrer dedans, vont essayer de te tester sur ton couple, tout ce qui va pas, etc. Donc moi, je me positionne pas en tant que victime. C'est une manière de parler, c'est dans le langage juridique. Ouais, c'est pas que t'es une victime. Ils se sont moqués de toi, j'ai répondu. Moi, je réponds juste par rapport à moi, tu vois, moi, je suis pas une victime. On m'a pas harcelé non plus. On est dans le thème de harcèlement, victime, machin. Moi, j'ai pas été victime et je me suis pas senti harcelé. Finalement, Sarah et Julie m'en voulaient par rapport à des propos que j'ai eu déplacés envers ma meuf le jour de mon anniversaire. Voilà, malheureusement, donc comme elle disait, on est sortis parce que ça en est venu aux mains. Aujourd'hui encore, je suis en désaccord un peu avec Julie. Avec Sarah, par rapport à ce qui s'est passé dans la bataille, oui, mais aujourd'hui, peut-être un peu moins parce qu'elle a accepté notre couple. Moi, mon couple, je le vis pour moi. Je le vis pas pour les autres. Je suis pas là à aller tailler le couple d'un autre. Moi, je suis dans mon couple, je suis dans ma vie, je m'occupe de ce qui se passe chez moi. C'est ce que je disais dans ma story, j'ai pas envie d'en remettre une couche, mais... De toute manière, moi, je suis réconciliée avec Sarah, je souhaite tout le bonheur du monde. Et Julie, même si je suis pas vraiment réconciliée avec elle, je lui souhaite pas de mal. Qu'elle kiffe, qu'elle s'amuse, je ne souhaite du mal à personne. C'est important de dire qu'on ne souhaite de mal à personne. Et j'encourage personne à régler ses problèmes via la violence, ça sert à rien. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Encore une fois, merci pour ce trophée du Turfu, les frères. Et on vous invite toujours à vous abonner. La semaine prochaine, c'est quoi en plus? On peut donner un petit indice quand même. C'est avec deux personnes de télé-réalité. Mais c'est pas le « on échange notre couple », c'est un autre truc. C'est un défi de couple. Et cette fois-ci, c'est des couples qui tournent dans le cross. Le RDM. Vous pensez à qui? Putain, ma vie, on a 100 000 abonnés dépassés.